Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, et on va jouer Eve, il faut qu'on fasse, il faut qu'on descende et combattre, Fork, The Lamb et Deirium, voilà, et c'est tout, c'est parti. Alors regarde, moi aussi j'ai des têtes chercheuses. Alors, d'où? Oh! Putain, mais c'était caché derrière le gros rayon! Oh! J'ai installé le mode pour voir ce que les objets font, ça change la vie. Ça n'empêchait pas de débloquer les. Les mulligans. Ça n'empêchait pas de débloquer les. Comment ça s'appelle? Les succès, les secrets. Mais il y a un mois ou deux, non, il y a même plus que ça, il y a 2-3 mois, je sais pas pourquoi, bah d'un coup, ça bloquait les succès. Donc du coup, j'ai fait, oh merde, je l'avais enlevé. Moi aussi, je l'utilisais, et du coup, je l'ai enlevé. Parce que du coup, c'est utile pour 2-3 trinkets où je me souviens plus, etc. Mais ouais, non, ça, aux dernières nouvelles, ça bloquait les succès. Donc merde. Donc moi, je l'utilise pas. Je ne peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un vous rend plus petit. Cool. Je suis plus petit. Clé. Je vais me prendre une boule. Non, c'est bon. Oh. Putain, vous voyez tout le risque que je prends quand même pour vous. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ceux qu'on aime. Hop. C'est bon. Je me retrouve à un cœur. Ça va bien. Bonjour. Alors, mulligan, si vous posez la question. Ah, ça n'empêche plus encore, ça y est, ils l'ont remis à jour. Parce que moi, ça m'empêchait, hein, il y a quelques mois. Alors que ça le faisait pas avant. Attends. Je vais lire ce que t'as. J'ai installé le mode pour voir ce que. Ça n'empêche pas non plus. J'ai même pris le mode pour spawn direct à la salle du trésor en début de run et ça bloque toujours pas. Moi je sais, c'est pas bien pour chercher un starter, ça fait gagner du temps. C'est vrai, je l'utiliserai pas parce que il faut se faire chier un peu, ça fait partie du jeu. Il faut s'emmerder un minimum. Voilà. Sinon, c'est pas marrant. C'est pas marrant de ne pas se marrer. Putain, c'est aussi profond que le feu sabreux et le sabreux. Ok. Bon, ça va. On avance. T'inquiète, le jeu me retourne bien assez comme ça. Ah, ouais, ça c'est... Les joies du... roguelike. Oh, on peut se faire un autre truc après, débile. En fait, il y a plein de trucs que je me dis à chaque fois. Oh putain, pour le stream, faudrait que je fasse ça. Et à chaque fois, soit j'oublie, soit j'ai pas le temps. Généralement, si j'oublie, c'est que j'ai pas le temps. Ouais. Allez. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, entre Isaac et l'indirect, parce que toi, YouTube... Mais toi, tu l'as déjà vu, YouTube, parce qu'il est déjà sorti l'indirect. Entre Isaac et l'indirect, on pourrait se faire... On pourrait se faire ça. Genre on se met une petite musique de fond et puis on se marre à faire des conneries, tout ce que je voulais faire pour le stream. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas pour 300 ans non plus. Ok. Parce que même avec un starter, c'est pas joué d'avance. Bon, normalement, un bon starter. Ça va. C'est assuré. J'ai 6 clés. Ah oui. Pratique. Qu'est-ce que tu me donnes? Data miner, c'est de la merde. Alors, data miner, je sais même pas tellement ce que ça fait. Ça retourne la salle à 90 degrés et tous les objets. Et ça fait un truc, c'est juste là pour vous emmerder, regardez. Attention, hop, on tourne la salle. Ouais. La musique est chelou, le perso fait n'importe quoi. Et dès qu'on change de salle, ça revient normal.
ou qu'est-ce que ça fait. À part ça, j'en sais rien. Et là, il y a Melref qui va sauter sur le wiki. Et qui va me dire tout ce que ça fait, qui l'a inventé, en quelle année, quel mois, quel jour. Qu'est-ce que le designer avait chié ce jour-là. Il va tout me dire. Parce que c'est un homme qui aime ce site. Avec cette clé, tu peux ouvrir la salle du trésor. Hein? Que du coup, quoi. Que ça a vraiment un intérêt que j'aille chercher ça. Ah! Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on se fait chier avec les feux? Ouah. Allez, fais chier avec les feux. Toi aussi, tu te fais chier avec les feux. Avec les feux. Sur Tixie Channel. Tixie TV. Tixie V. TV Tixie. Pas TV Tixie. Hop, bleu, clé. Rien besoin d'autre. C'est parti. Hop, hop. Allez. 8:34, on est bon. Non, non, toi, tu vas pas m'emmerder longtemps. Putain, mais l'ennemi est plus difficile que le boss, quoi. Merci. Pyjamas, peinture bleue. Ça, c'est bien. Ah, ça me soigne aussi. Okay. Un mot. Ah. Est-ce que mot. Mais oui, mot toujours. Pour toi, public. Ça rotate. Every enemy and pick-up de 90 degrés. Et move the sprites on the left. Enemy box remain the same. Grayson, yes. Ah, ça augmente l'une des stats d'Isaac et en baisse une autre. Il est possible que le changement inclut plus un cœur, plus 0,5 tiers, plus 0,2 de speed, plus ou moins, alors plus ou moins un cœur, plus ou moins de 0,5 de cadence, plus ou moins 0,5 de vitesse, plus ou moins 0,5 de shot speed, plus ou moins 1 de luck, plus ou moins 0,5 de range. Add random tiers. Ah, et ça ajoute un tir random. Pour la salle en cours. Et ça change la musique. Ok, donc c'est de la grosse do basse. C'est ce que je disais. Je suis ravi. On descend. Ah, merci, mes rêves. Ensuite. Allez, on va mo un peu. Bruti. Oh! J'ai pas besoin de ça. Allez, donne-moi un petit... J'ai zéro de luck, c'est ça. Pour l'instant, c'est normal. Ça va être... Les cœurs vont se faire assez rares. Ah ben, allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La merde. Oh, en vrai. Allez, pour le beau jeu. C'est de la merde. Voilà. 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 Oh, une petite salle, on s'en fout. Ah, un petit cœur noir. Merci, le jeu. Tu es bien bon. Tu es bien brave. Tu es bien bon, bien brave. Ben bon, ben brave. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Pièce, pièce, pièce. Pièce, pièce. Clé. Pour le beau jeu. Mais je le sens pas. Ah si! Oh oui. Ah ça c'est bien ça. J'aime ma vie. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Boss Café. Ah si tu connais pas cette musique aussi, va le chercher sur YouTube. J'aime ma boîte. En fait, quand est-ce qu'on débloque le choix entre le négatif et le Polaroid? Parce que j'en suis à 7 mômes tués, et j'ai jamais le choix encore. C'est deux objets différents. Tu débloques le Polaroid d'une certaine manière, et le négatif d'une autre. Et une fois que t'as débloqué les deux, bah tu auras le choix, les deux pop. Voilà. Mais c'est pas un truc à faire pour débloquer les deux. Le négatif de mémoire, en fait... Le négatif de mémoire, il faut que tu battes Satan.
et le Polaroid de mémoire, je crois qu'il faut que tu battes 5 fois Isaac. Donc, il y a une notion de random chance dégueu. Et inutile. D'où dur. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ace of Clubs. C'est de la merde. Hop. Et... c'est parti. Stain. Non. Oh, oh là là. Oh. Qu'est-ce que c'est? Range up. Que fais-je? Que fais-je, les amis? Le 2 ou le 1? Ah ben non, mais je suis con. Les deux. On prend le 1 puis le 2. Allez. Et Guppispo. Ah, Pascal Guppispo. Et le pacte. Ah. Allez, on garde ça. C'est très bien. Du coup, je garde ma patte. Je garde ma patte au cas où. Hop. Là, on est bien, là. Mais je peux jamais monter à la cathédrale. C'est ça. Là, c'est de la luck. Y a pas d'autre mot. C'est de la luck. Des fois, il te proposera, des fois, non. Donc, je peux rien faire de plus. Ah, pute! Putain, le mot, il met longtemps à charger, quand même. Hein. Ok, très bien. J'aime ma boîte. J'aime mon chat. J'aime mon chat. C'est quoi? C'est heads up. Ah, je vais le garder au cas où. Pour un éventuel petit deal. C'est nul. Pourtant, j'en suis à mon troisième boss. Boss rush en hard. Et en plus, c'est ça le... Ah, ouais. Je sais pas s'il y a vraiment des trucs pour augmenter les chances de faire popper cathédrale et que ça marche. Ça va chier. Ah bah tiens, vas-y. Je sais plus. Ça. Et ça. Qu'est-ce que c'est? Pérôme, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une pilule. Merci. Ok. J'aime mon chat. J'aime mon chat. Allez, go. Non. Ah. Bombe. Clé. Putain, mais quand on étage, on voit rien. Ah, ouh, ça va. C'est tous les 10 tirs, je fais... Bleh. Voilà. Donc, en vrai, c'est pas trop dégueu. On est dans le plutôt bien. On est dans le fair enough. Meurs. Je vais où? Gauche. Ouais. Putain, mot, c'est la vie quand même. T'es quoi, toi? Ah! Vas-y, on va battre le boss et au pire, je reviens et voilà. Ah, mais je pourrais pas avoir les deux. Ah ouais, donc en fait, il faut que je garde ça. Ouais, il faut que je garde ça. J'aime mon chat. J'aime... Là. Là. Putain, yes. La moule. Et... donne-moi un objet. S'il te plaît. Oh putain l'enculé! Foiré! Ah! Ah ça c'est bien ça. J'aime ces sales. J'aime ces sales. J'aime mon chat. Ok. Ah on se fait chier. Oh! Toi t'es pas mort. Voilà. On se fait chier à pousser tout ça. Vers le baril. Ah.
Ah, c'est nul, putain, les masques. Ah! Voilà! Ça valait le coup. Et je vais buter ça parce que. Ah bah non, j'en avais déjà buté un, mais c'est pas grave. Voilà. Ah bah si, encore, ça me donne encore un autre. Oh putain, j'y ai cru. Entre la vomissure et la boulette. Ah, toi meurs. Et toi meurs. Voilà, très bien. Putain, j'avais une chance sur deux pourtant. Ouais mais non, mais chat c'est nul, ça me servira à rien. Sauf si je ramasse un petit Dark Bum. Et là, ce serait bien. Joker. Ah! Bon, alors là, le choix, c'est maintenant. Qu'est-ce que je choisis, le chat? Que choisis-je? C'est toi qui choisis. Gauche, mi-gauche, centre ou droit? Allez. Est-ce que tu es plutôt flambi? Est-ce que tu es plutôt printemps? Ou est-ce que t'es plutôt... Dis-moi. Mais ne dis pas moi. En attendant, je me mouche. Ah, Melref dit... Zuto, il pense flambi, lui. Ah, tu aussi penses flambi. Ok. En vrai, on peut en prendre plusieurs. Allez, on va voir ce que donne le flambi. Betrayal. Oh, c'était de la merde. Allez, on va voir si il nous porte un peu plus de chance. Petit Delirium. C'est tout nul. Oh, puis le pot où on en est. Et Ghost Baby. Ok, allez, c'est parti. Voilà. Donc là, je vous ai fait un coup de politique, hein, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que je vous ai demandé votre avis, mais en fait, je savais déjà ce que j'avais fait. Alors, ça donne envie de mettre ton gilet jaune, hein? Et c'est bon. Allez. Nécropolis. Pour une fois, je vais pouvoir voir ce que je pioche. Alors là, par contre, là, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on fasse popper des cœurs bleus là par contre. Oh la vache, je suis désolé et pas désolé en même temps. Et... Oh non, c'est nul. Oh merde. Ok, bon bah on va attendre un petit peu. Oh bah remarque, non, on a le bleu. Tiens. D'un œil. Mode bourré. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, deux pierres. Allez, vas-y. Non. Ah. Gave, ça. Oh là là. Une roue de la fortune. Philippe Rizoli. Oh, popo. Polo, popo, popo, popo. Ok, bon bah tout ça pour ça. Un Devil. C'est bon, je tire droit, c'est bon, je tire droit. Yes, un petit cœur. Oh. Il avait la gueule de Bob's Brain. Ça, c'est nul, Bob's Brain. Yes. Vas-y, on continue tout droit. Voilà. The World. Allez, on va voir ce qui se passe. Ok. Attends, j'ai ramassé l'autre pièce là-bas. Faire des virages, lui. Voilà, je vais pas prendre le risque. Oui.
Voilà. Yep. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Le Death Touch. Oh putain la vache. Putain c'est beau ça. Tiens il s'est bourré. Oh. Ah y'a Rochemar. Ouais. Et on y va. On va monter. On va monter. Oui, monter. Putain, même pas un seul cœur noir avec ce que j'ai battu. Allez, je le fais parce que je suis en forme. Non, ça c'est nul. Ça pue. Ça pue. Je garde le devil. En vrai, j'aurais pas nécessairement besoin de cœur bleu, parce que avec le mot, je vais faire popper des cœurs noirs. Donc, est-ce que ce serait pas plus mal de choper l'économe? Le pileur. Ah. Hmm. Allez, pileur, potato pileur et un cœur bleu. Potato pileur. L'économe, ça fait... que je peux sacrifier un réceptacle de cœur. Ah bah voilà, tiens, je sacrifie un réceptacle de cœur pour me donner... Ouk ! Un cube de viande. Et évidemment, hein, d'abord c'est un cube, puis après deuxième forme du cube, troisième forme, quatrième forme. Et si on est arrivé à la quatrième forme, et qu'on veut redépenser encore un réceptacle, ça nous refait popper une deuxième, un deuxième cube. Première forme, etc. Ça recommence. Donc en fait, on peut avoir plein de Meat Boy. Et pour ça, il faut avoir plein de recettes. Tiens, en vrai, on va tenter un truc. Tout dans la machine. Comment ça, tout dans la machine? On va tenter un truc. Est-ce que je peux sacrifier le réceptacle que je gagne grâce au Devil? On va tenter. Devil. Ah non, je gagne pas de reste. Ah non, c'est pas avec le Devil que je gagnerai cette attaque. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oh, putain. Oh. Ah. Ah. Bon, il y a l'esprit de la nuit. Elle les double uniquement à leur état premier, genre le machin qui bouffe les pièces, bah une copie level 1, pas level 4. Elle les double uniquement à leur état premier. Ah d'accord, ok. Ok, ça marche. Oui, donc ça les enlève après. Allez. L'esprit de la nuit. Et on est Léviathan. Voilà. Qui ne sacrifie pas n'est pas Léviathan. Ah ! Allez, on va voir. On va voir, tu vas sentir. Ah, quand même. Chier. Pas un petit cœur noir ? Ah, 10 pièces. Là, je dis pas non. Mo. Fais ton taf. Tac, tac. Non. Oh, si, allez. Safety scissors. M'empêche d'avoir des troll bombes. Enfin. Ça nous empêche pas, mais. Moi, ils me pèteront pas à la gueule. Infested. Ça coupe la pêche. Là. Oh oui. Et de 1. Putain, mais serait-ce une bonne run, quoi, sans déconner. C'est un mixel ou bien? J'ai eu l'objet. Ouais, mais on est déjà à 22 minutes, donc on va pas s'attarder plus que ça, c'est déjà assez comme ça. Oh.
Voilà. Très bien. C'était quoi déjà l'autre? Ah oui, mais il y a lui. Ah merde, quel con! Ah oui, ouf. Polaroid, et là. Et comme ça, pam! Et là, bouclier. Et on y va. Allez, encore. Ah, encore. Mon objet. Ah, c'est bien, Saint-Ol. Ok, cool. C'est quoi? Lock up et Black Rune. Allez, on y va. Putain, la moule que j'ai eue. J'avais une chance sur 3 que la salle reste. Hein. Faut que je l'avais quitté. C'était cool. Attends, parce que... Oh non, mais quel pénis, j'ai chopé le Polaroid. Il reste une dernière chose à faire. C'est Delirium. Et on peut aller le tenter à la main. Mais pour ça, il va falloir qu'on speed de ouf. Il va pas falloir qu'on attende, là, par contre. On n'a plus le choix. Pour ça, pour aller Delirium et l'avoir à tous les coups, il faut qu'on aille au... Et pute ! Il faut qu'on aille battre Hush pour qu'il nous donne accès à la salle. À la salle du Void. Ok. Tac. Donc du coup, il faut qu'on aille battre It Leaves en moins de 30 minutes. Je te mange. Ok. Donc là, on a choisi la mauvaise branche. Ça commence bien. Donc on va aller là-bas. Non. Ok. Oupoudoupoudoupoudoupoudou. Tac. Faudrait que je finisse cet étage en... à 25. Non, pour 25, c'est pas bien. 25-26. Pas après. Les étages d'utérus sont quand même pas mal longs. Ah, putain. Mais alors, par contre, cet ennemi-là, dans une salle à 4... Voilà. C'est l'assurance de se faire chier, ça. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Repérez, si vous voyez un rocher marqué, vous dites « Rocher marqué !» Yes. S'il vous plaît. Merci. En haut. Ok. J'ai plus longtemps. On descend. Qu'est-ce que c'est? Là, 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 là. Ah oui, c'est transformé. Ah putain, c'est le petit Irium qui s'est transformé en robot. Et go. Ah, évolution de papa, ça c'était simple. Cool, ça me donnait un peu de cœur. Voilà. Et du tiersop. Et on continue. Donc là, en fait, c'est faisable encore. C'est faisable. On n'a pas perdu notre rôle. Par contre, derrière, ça demandera à battre, bien évidemment, Delirium. Ça, c'est une autre paire de couilles. Qu'est-ce que c'est? Health up. Tiens, bim, et je te mange. Health up. Trouver une pilule. I found pills. Ah, direct explosif. On va passer par la salle de 4. Yes. Excellent, excellent. Ah, okay, c'est... Qu'est-ce que c'est? Pièce. Pareil pour la salle suivante. Roche... Non, pas de roche. Ah non, c'est... Ok. Et là-dedans, de la pièce. Et... Amnesia. Ouh.
non. Y'a rien là. Ah oui, alors oui, c'était une troll bombe, mais elle s'est transformée en bombe normale. Et ça, c'est le petit trinket des ciseaux. Bah. 26,50, c'est encore jouable. Ah putain, mais en plus je fais de la merde. Hop, j'étais un cul de sac. Un cul de sac. En bas, on l'a pas fait. Ah, peut-être pas. Peut-être pas la foule... La foule merde. Sérieux? Allez, putain! Encouragez-moi, le chat. Croyez en moi. Pas de rocher marqué. Oup! Yes! 2. 10 pièces. Ah, c'est bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. Je charge. Et on y va. Oh là là, putain, mais alors là. Mais alors là. J'ai 2 minutes pour. Ouais, on va prendre plus. Voilà. On le prend pas. Hein. Prends pas, parce qu'en vrai, on peut encore tomber sur des piles. Et vas-y. Hop. Hush. Et alors là. Et alors là. Les amis, c'est parti. Merde. Et la clé là. Et nous remise pas. Plein de tunas. Première salle. Booger Tears. Ah putain, mais alors, soit Booger Tears, soit le saut de l'art. Ça va me ralentir un peu, mais par contre, ça me donnera. Du coup, je vais sacrifier les deux cœurs et ça me donnera un Meat Boy entier. Ah. Eden's Blessing. Voilà. Le cadeau que je vais utiliser dans une salle à côté. Celle-là, au cas où, on sait jamais. C'est de la merde. Lardon. Lardon. C'est-à-dire lardon. Cœur bleu, je prends. C'était quoi ça déjà? Ah oui, c'est de la merde. Garde-death. Le pileur. Et parce que de toute façon les pièces ne me serviront plus à rien, je donne tout au don. Prends le lard. Red Candle. Ok. Je serais plus parti sur le Booger Tears quand même. Parce que le Booger Tears, le lard en fait, va m'aider pour toutes les salles en général. Mais le Booger Tears va m'aider à battre beaucoup plus facilement. Les boss. Parce qu'en vrai, j'ai une force de 11. Putain. Je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Je serais plus partant pour le... Pour la crotte de nez, quand même. Je vais regarder s'il y a pas de rocher marqué là-bas. Oui, mais Meat Boy. Et alors, Meat Boy? Ah, Scuddy Gaming qui m'héberge. Oh, quel gentil, celui-là. Bonjour, bisous à toi, Scuddy. Yo. Salut, on est sur un... Ah bah tiens, vous qui venez de Scuddy Gaming, on est sur un dilemme. J'ai un Move of the Void, donc j'ai l'occasion de gagner plein de cœurs noirs. Mais on est parti sur une run où on se dirige vers... Hush, puis derrière Delirium. Est-ce que je prends plutôt les crottes de nez ou le lard? Sachant que si je prends le lard, je vais direct enlever mes deux cœurs grâce à l'économe. Allez, dis-moi ce que t'en penses. Ça roule, Coco? Ben écoute, ma foi, plutôt pas mal. On part sur une soirée assez intéressante. Sur un Isaac d'abord, après on va faire un petit Indirect. Donc Indirect, pour ceux qui ne connaissent pas,
jeu indé, testé day one. Et Indirect sur Rapture Rejects, qui vient de sortir aujourd'hui. Et après, on va se faire un petit let's play sur Crash Bandicoot 2. Donc tout ça, ça pue le stream jusqu'à 2-3 heures du matin. Le lard plus potable, pillé, mec. Putain, j'étais parti sur un Booger Tears, moi. Bon, allez, vous êtes deux à me dire le lard. Allez, le lard, hein, c'est pas grave, tant pis. Je mange. Ah bah oui, en plus, il y avait le succès Super Meat Boy et les verrouillés. Allez, hop, c'est bon. C'est parti. Du coup, je suis un petit peu plus lent, mais ça, c'est pas trop grave. Et on est bon. On est... dernière chose. I'm excited, je m'en fous. Ça marche, wake up. Range up. Ok, ça marche. Allez, let's go. C'est parti. Hop, un petit coup de mot, vas-y, pour la forme. Ah putain, c'est vrai qu'il a des... Tire à tête chercheuse, ton culé. Oh, bon, après, normalement, voilà. 8 heures... temporaire, je veux dire, ça va, c'est faisable. Ok. Bon, et toi, ce que dis, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que t'as fait ce soir? Dis-moi, qu'as-tu streamé? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu découvert? Qu'as-tu fait de beau dans ta vie? Dis-moi tout. Ah, yes. Ça va. Qui doit mon patchy? Voilà. Hop, hop. Je fais de la merde. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Tac. Allez, mot. Ah, un cœur, non. Un seul. Ah! Bon, bah, voilà. Donne-moi des cœurs noirs, je t'en supplie. Ah, ce soir c'était Dead Cells avec les viewers. Et ils n'ont pas été tendres. Ah. J'ai arrêté Dead Cells depuis un bout de temps quand même. Je tournais un peu en rond et j'étais trop mauvais. Même les viewers gueulaient parce que j'étais trop mauvais. Ok, là je suis bien. Mais j'ai sauvé l'honneur en allant plus loin dans l'aventure que la dernière fois. Bien! Nice! Moi je crois que je suis arrivé une seule fois jusqu'au boss de fin. Mais je l'ai pas battu, je me suis fait mais démonté en bonne et due forme. Allez, s'il te plaît. Ok. Pas touché. Très bien. Touché. Oh non, sérieux. Voilà, c'est bon. C'est gagné. T'es mort. T'existes pas. Yes. Et du coup... Delirium. C'est parti. Sortez les follow sur SimTixi, les gars. C'est gentil. Gentil, merci. Le boss de fin de Dead Cells, c'est un peu le truc que tu vois pas venir. Je trouve que c'est un peu trop dur et gratuit, perso, même si j'ai fini par le battre. Moi, je sais pas. Après, tu sais, ça fait du bien, un peu de difficulté, quand même. Et c'est vrai que ce jeu est quand même dur. Enfin, c'est vrai que je suis aussi une grosse novasse. Mais... Je me suis touché par quoi? Merde. J'avais pas vu que c'était le jaune. Merde. C'est vrai qu'il est difficile, quand même. Il est compliqué. Par contre là, est-ce que je vais réussir Delirium? Ça dépendra si j'arrive à trouver des cœurs noirs. Hein.
là il est pas là déjà. Teratoma, ah ça c'est... C'est un splitter, c'est bien pour gagner les cœurs noirs. Putain l'enculé, je fais vraiment de la merde ce soir, c'est fou. Je fais vraiment de la merde, j'ai réussi à esquiver ce que je voulais faire. Je voulais descendre pour aller battre de l'emb, j'ai chopé le Polaroid. De réflexe à la con. Bon, du coup on avait quand même push à faire, donc bon voilà. Clé. Ça c'est putain de tentant. Ce que dit dans ta fâche Manchester. Ça y est, la bataille des bits recommence. Incroyable. Merci beaucoup, ce que dit. Ah, yes. Un cœur. Ah bah tiens, bah justement. Hop. Voilà. Du coup, ça va m'aider. Non. Oh. Oh. Je vais pas trop grider. Je vais pas trop grider. Il est pas là non plus. Oh, ça s'attend. Voilà. Je vais pas trop grider parce qu'on sait jamais, comme disait. Ah, Worcester, bah du coup, justement, il arrive. Ah, bah tiens, t'arrives pile quand tu viens de te faire détrôner. Ah, et resub. Resub de Worcester. Merci beaucoup, mon ami. Ah, qui nous dit. Incroyable. Il vient de te faire détrôner sur les bits. C'est le deuxième maintenant. Et le mec contre-attaque, ah oui. Contre-attaque de Worcester par un magnifique resub. Ah merde, putain, j'ai perdu mon... Oh. Tu peux pile le cœur en os pour Meat Boy? Non. C'est que les réceptacles... Oh putain, c'était un roi champion. Un champroi. Là, là. Ah oui, par contre, oui, du coup, bah... Non, mais c'est normal que les viewers de Scottie s'abonnent pas, parce que... Voilà. J'ai tendance à beaucoup parler. Ce qui énerve ceux qui veulent s'endormir sur le... Sur leur stream, sur Twitch. Désolé les amis, vous avez si vous voulez... Vous avez Bob Ross. Comme ça. Il a une voix très douce. Et il fait l'amour à votre oreille. Ah! Deuxième... Putain, mais ça se rebat sur les beats. 100! Ah, il a dépassé... Ah non, il a toujours pas dépassé! T'es en deçà de 1! Kappa 100. Ok! Merci, Worcester, pour les bits. Ah putain, ça se bataille. Je vais laisser le pileur là. Je reviendrai le chercher au cas où, si besoin. C'est mon deuxième objet de Guppy. Ça, c'est cool. Mais merde! Putain! Ah non! Mais non, mais non, mais non. Oh, je suis marqué. Non, un fion. Oh putain, il m'a fait peur. J'avais oublié que j'avais le ciseau. Les ciseaux. Ok. Je suis au-dessus de 99, wesh. Ah, ça, c'était pas mis à jour. Ah oui, non, 500 et 400. Bravo. Bravo, Worcester, qui retacle derrière. Qui a achevé par un resub, puis derrière, qui retacle avec un... Magnifique don de 100 bits. Ok. Merde. Je voulais pas le buter. Je voulais pas le tuer. Votre langage, monsieur Spock. Oh, ça. T'es pas venu ici pour du politiquement correct, alors merde. Ah, mais il va le buter. Moi, je veux lui faire moi. Télépathie pour les débiles. Je l'ai pas celui-là. Le VIP, tu l'as pas parce que tu es modo. Je peux pas te donner modo et VIP en même temps. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir. J'ai découvert ça très récemment. Le VIP.
Est-ce que Nick... Ah non, mais ils se battent. Ils se battent. Au secours, ils se battent. Au secours. Ose ridiculi. Ose rediscuter la symbolique de ce nombre de bits total pour un amateur d'Isaac. 247. Incroyable. Ok, c'est bon. Putain, mais bravo. Putain, mais vous êtes des amours. Ils se battent avec de l'argent. Waouh. Pour moi. Putain, je me croirais une donzelle au Moyen-Âge. Daddy's long leg. Merci. Allez, bon, ouais, bof. Je veux d'autres cœurs, bordel de merde. Il lui reste le jackpot 777. Ah bah oui, il a ici 666. Waouh, le grand respect. Il fait un hommage à tonton, au grand Satan. Donzel au milieu de centaines de bêtes. Ben, c'est beau, hein. Sauf que le réel nombre de la bête, c'est 616, en fait. Le crâne brillant qui nous met l'ambiance. Oh, Dieu ! Non ! Je me suis éloigné au dernier moment ! Oh non, j'ai pas envie de perdre ! Allez ! Oh non ! Oh non, pas cette salle de c'est mort. C'est bon. Oh, 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 oh. Il est pas là. Ah, il est pas là. Je le savais. Kibum, ouais. He wants your keys. Attends que c'est que les clés, ça me va, moi. Mais comment je fais? Comment je fais? Comment j'ai fait pour survivre aussi longtemps dans cette vie? En étant aussi merdique. J'ai une autre symbolique forte à tous ceux qui sont un peu geeks dans le fond. Quoi qu'est-ce? 518. D'accord. Je ne l'ai pas. Un cœur noir! Un cœur... Oui! Parfait. Je vous remercie. Merci, madame. Tac, 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 tac. Ouh, ouh, ouh. Ah bah non, ça se coupe. Voilà. Allez, encore. Vas-y. Vas-y. Juste attends. Ah, putain. Ah, 819, c'est de pire en pire. 1337. Ça dit quelque chose, ça. Oh le salaud! Oh la vache! Calmez-vous! Calmez-vous! Ok, de la mouche. De la mouche. Elle, tu sais, ma gueule. Elle 33. Elle. Elle. Lit. Ah! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je sais plus, ça me dit quelque chose, je sais plus. Pour moi, ça veut dire le 33 tours, mais... Des formations professionnelles. Sans nul doute, bien sûr. Lui, il est peut-être plus intéressant, le plus swarm. Ça fait des wou 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 sur mes larmes. Ça me dit quelque chose, quoi. Comment ça va, Evil? Ah, comment vas-tu? Bah écoute, ça peut aller, c'est pas la grande joie, je fais de la merde ce soir. Je fais de la merde et y a mes viewers qui se battent pour des avec des bêtes. La baston à coups de bêtes. C'est beau, on dirait des... On dirait... On dirait Lafarge et... On dirait les fils de Lafarge qui se battent à coups de bifle comme ça, à la gueule. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un rocher marqué là-dedans? Putain, il n'a pas. C'est triste. Non, il n'a pas. Oh, c'est triste. Bien! Ah! Merde! Oh, putain, mais je vais avoir 3 cœurs bleus pour battre... 3 cœurs noirs pour battre...
pour battre Delirium, bordel. C'est le langage, Lit. Enfin, je vais écrire. Oui, je sais. Mais il y a quand même marqué L33T, donc pour moi, ça veut dire le 33T. Je ne m'avoue pas vaincu. Je renaîtrai de mes cendres au moment où tu y attendras le moins. Ah, putain. Putain, mais qu'ils sont généreux. Moi, j'ai donné 2 bits. C'est vrai. Il y a le petit Emile qui est derrière. Moi, je m'en fous, je suis quand même dans le classement. J'ai donné 2 bits. Merde. Là, j'ai plus la... Voilà. Là, j'y vais pas parce que c'est possible que ce soit Delirium. Fortement, d'ailleurs. Comment je le sais? C'est parce que Delirium, c'est... Généralement, c'est le boss le plus éloigné du point de départ. Ma brosse. Ah, Hierophant. Cool, Hierophant. Ouais, Hierophant. J'attendrai le dernier moment. Deux de carreau, on s'en branle. Ah non! Bah, donne-moi un rocher marqué là quand même. Rappelez-moi ce que c'est, Elite. Je sais plus. J'ai déjà vu ça. Et je sais plus. Ah, mais moi, je suis un vieux geek, vous savez. Je suis un vieux geek de chambre, moi. Moi, Je ne vais pas sur les forums. Moi, je joue à des jeux en solo. Je suis un nerd no life. Un nerd no life, no social, no bonobo capuche. C'est quand tu touches le haut du filet au tennis. Mais je te l'ai dit, putain, c'est quand tu écris avec des chiffres. Ah d'accord, c'est le fait d'écrire avec des chiffres, ça s'appelle l'ulit, d'accord. Moi je savais pas. Non, bah en fait je savais pas. Mais t'arrêtes de m'engueuler aussi, connard. Des bisous, bonne nuit à tous. Scuddy, merci d'être passé. Merci pour le host. Le petit raid. C'est gentil, le raid de l'amour. Fais de bons rêves, bonne nuit, à bientôt. C'est bien ça, c'est bien. J'aime bien cette salle, mais je veux des cœurs noirs quand même. Oh, pas un seul. Oh, tu foiré. Il est 16h16 au Québec. Ah, ici il est 22h. 22h16. Bière explosive. Ok, du chat. Tac. Bim. Ah ouais, mais putain, mais c'est mes mouches qui défoncent tout. Et je suis au bout. Merde. Oh. Boum. Ok, bah écoutez, ce sera 7 cœurs. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Bah en vrai, on pourrait partir sur une salle secrète comme ça, mais ça va durer 300 ans. Ou pas. Ok, ouais bah non en fait, non. Rien. Ça rien me donner. Oh si, les Penny Tears. Ah, ça me sert à rien. Oui, donc j'avais bien collé. C'était bien le Delirium que j'avais laissé tout là-bas. Ok. On est dans le turfu par rapport à vous. Bon mec, j'ai potentiellement rien à faire samedi soir. Ah, intéressant. Mais moi j'ai. Désolé. Je suis à une fête d'anniversaire samedi soir. Bah, Hierophant, hein, c'est parti. Eh ben, here we go. Ça va faire mal, mais on va se lancer. Oh, oh, putain.
J'avais pas vu la petite larme toute lente. Ok. Oh putain, ma Maggardy! Ah, mais elle a popé, mais comme ça, quoi. Je l'avais pas vu arriver du tout. Ah, mais j'ai une certaine puissance, quand même. Non! Attention, les verres, ça explose! Oh, polopopopo! Chulé. Ah, j'ai Polaroid. Oh non, 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 non. Mongolise pas, concentre-toi. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à les esquiver, celle-là. Ok. Non, 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 non. Ok. C'est passé. Putain, mais non. Alors ça, non. Ça, non. Non, non. Popé sur moi, non. Ça, c'est... c'est n'importe quoi. Rembourser. Oups là. J'ai pas trop à craindre de ma Maggardy parce que je vole. Merde. J'ai débuté sans faire exprès. Ok, la première moitié c'est fait. Donc là il va commencer à accélérer vénère. Ça c'est au dernier tiers qu'il accélère vraiment. Ok. Ah. Attention, ça explose. Putain, mais... oh, putain, il y avait une portée dans le cul. Hop, oh, là, 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 là. Ok. Petit solo inutile. Non. Ah, mais voilà, mais putain, mais quand il est maman et tout, il se pop comme ça, mais... oh. Merde. Ouf. Ouf. Non, 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 mais non, mais non, mais non, putain, mais je me suis pris trois... non, je me suis pris trois... non. Putain, mais je me suis pris 4 cœurs sans déconner que je pouvais pas éviter. Ah, putain. Alors, moi, cette tête de merde, là, qui m'a battu, là. Chier. Ah. Ouais, YouTube, si t'as kiffé, tu mets un pouce. Sinon, puis à la prochaine.